expliques-tu le fait que tu aies eu autant d'argent et que tu perdes tout comme ça? C'est dû à quoi? Il faut que tu nous expliques un peu. La grosse tête. Oui. Tout frais, tout jeune, quoi, 24 ans, 25 ans, être milliardaire. J'avais 3 bulles, j'avais 7 camions de billes, 7 grumiers, j'avais 120 employés, 3 garages, 2, 1, 1, 2 fixes, 1 à Abidjan, 1 à Bengrou, j'avais mon siège. Et ensuite, j'ai compris avec le temps. Bon, j'ai eu beaucoup de chance. Je reconnais que j'ai eu beaucoup, énormément de chance. J'ai quelque chose dans ma vie, j'ai appris. Pour la réussite, il y a 3 critères. Donc, quel que soit ce qu'on veut faire, il faut d'abord avoir la foi en Dieu. Mm-hmm. 1, 2. C'est important. La foi en ce qu'on veut faire. Y croire. 3, persévérer. Mm-hmm. Persévérer. Mm-hmm. Dieu dit, quand je te donne, serre-toi et serre. En fait, c'est ça. La clé, c'est ça. Il faut, quand Dieu nous utilise en nous donnant, c'est pour donner. Mm-hmm. Puisqu'il ne se matérialise, il ne vient pas lui-même donner. Il nous utilise. Il nous met en main ce qu'il veut pour qu'on puisse le servir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la deuxième partie de notre émission Leitmotiv consacrée à M. Khalil Esné. Un monsieur qui aura connu la gloire, la déchéance, mais qui, à force de persévérance, a fini par réaliser ses rêves. Alors Esné, on revient sur ton parcours. En 1972, tu travailles pendant près de 10 ans dans le bois à Bengourou. C'est d'ailleurs à cette époque que tu rencontres ta femme. Tu es jeune, milliardaire, mais tu perds tout à cause de l'alcool et des jeux. Tu te retrouves tout seul. Toute ta famille t'a tourné le dos. Tes amis te fuient. Comment tu expliques cette déchéance? Et raconte-nous les difficultés que tu vis. Les difficultés, bon, on les rencontre dans la vie et il faut savoir les prendre. Je n'arrivais plus en fait à payer l'école de mes enfants. Mmh. Et quand en 83 j'ai été vidé du Bénin, je suis revenu, je ne pouvais plus assurer les loyers de ma villa à Marcory résidentielle. J'ai approché la femme de Régivoire, et qui était l'agence immobilière, et j'ai demandé de rencontrer le propriétaire. S'il voulait prendre tous les meubles pour éviter un procès, parce que devant Dieu et les hommes, mm-hmm. Je lui dois de l'argent. Et le gars est venu, il a visité, je lui ai laissé la sono, je lui ai laissé les fauteuils, les lits, tout. On est sortis avec nos habits, les draps et les casseroles. Eh ben. Et j'ai dû prendre la télévision parce que c'était un cadeau de mon père. J'avais un employé, jeune Libanais, que je connaissais depuis à Bengourou, qui a vu un de ses parents, qui nous a donné un appartement. Je me suis arrangé tant bien que mal à pouvoir mettre mes enfants sur un lit. Mais par contre, j'ai dormi pendant 14 mois avec mon épouse à même le sol. Et ça, personne n'était informé. Mmh, ça a dû être dur pour votre épouse. Très, très dur. Pour mon épouse, ça a été un calvaire. Ouais, j'imagine. Je lui dois énormément. On va fêter en septembre nos 42 ans de mariage. Félicitations. Et je lui tire mon chapeau. Parce qu'elle a encaissé, elle a subi, elle était... C'est une femme merveilleuse. Elle était patiente. Ouais. Il y a quelques années en arrière, avant ma chute, cette grave mm-hmm. chute, quand j'avais beaucoup d'argent, j'ai mm-hmm. un ami qui m'a retrouvé à la station Shell, en face de Motor Agri. Mm-hmm. Et à la station Shell, il vient, il était en larmes, il dit « Mon fils est dehors, il faut que je paye. » Je dis « Attends, arrête, tu as besoin de quoi ?» J'avais une Mercedes, c'était l'époque où j'avais... Mm-hmm. J'ouvre le coffre, j'ai toujours 10, 15 millions dans le coffre de la voiture, en vrac, comme ça. Mm-hmm. Et puis il avait besoin de 150 000. Ça, c'était la belle époque. Ouais, je lui ai donné. Et ce monsieur, comme quoi, quand on donne, il ne faut pas calculer, il ne faut pas chercher à avoir mm-hmm. tout de suite un retour. Il faut mm-hmm. laisser à Dieu, laisser Dieu faire. Mm-hmm. Tout à fait. Laisser Dieu faire. Mais ce monsieur a appris que j'étais dans cet appartement et je dormais à même le sol. Mm-hmm. Il est venu me voir pendant que ma femme a eu soudain... Elle a réalisé qu'elle avait un don de peinture. D'accord. Elle faisait la peinture. Mm-hmm. On vendait des petits dessins à 1000 francs, 2000 francs pour acheter un pain avec du poisson et de l'huile dedans pour manger. Mais jamais elle m'a laissé sentir qu'elle m'a donné un centime. Ça, c'est bien. Même mon paquet de cigarettes était toujours, même quand elle n'avait pas les moyens, elle achetait en détail. Elle m'achetait des cigarettes. Et elle mettait dans mon paquet. Je sentais qu'il y avait un plus, mais bon, c'était mmh. dans le silence. Et puis ce monsieur est venu me voir, il me dit « Mais qu'est-ce qui se passe, Esné? Pourquoi tu es... C'est un gars du Nord. »
Pourquoi tu es comme ci? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis resté 8 mois en pyjama. J'avais baissé les bras. Ce monsieur est venu, il m'a vu. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, ça ne te ressemble pas, machin, bon bref. Et puis, il me donne un chèque de 5 millions. Il dit, je sais que tu peux redémarrer avec. Une semaine après, il revient. Je lui donne le chèque, je dis, ça ne m'intéresse pas. C'est là ma femme me dit, je ne savais pas que tu étais un incapable. Waouh! Et ça a été le déclic. Je partais comme ça, hein, et puis je me suis retenu. Je dis non, parce qu'on ne frappe pas une femme, même avec une rose. Ah ouais. Je me suis retenu. Ça m'a secoué. Et je n'ai pas repris le chèque. Il me dit, bon, ok, tant pis, hein, tu ne veux pas, moi je veux t'aider. Il me dit, tu viens avec moi, bon, habille-toi, on va sortir. Mm-hmm. Bon, avec ce que je viens d'entendre, et puis un petit sourire de ma femme, c'était un peu pour se faire pardonner. Elle n'avait pas besoin parce que son objectif était bien ciblé. Exact. Je l'accompagne à la banque. Il me dit, tu m'attends, je vais aller faire un petit retrait. Il fait un retrait et puis il s'en va. Et puis, il était avec son grand boubou. Et il me dit, Esné, les 5 millions sont avec la femme, moi je suis parti. Pop, il est parti. Je n'avais pas le taxi pour retourner. Mm-hmm. Je me suis retrouvé devant. Alors, les gens commencent à me dire, monsieur, va prendre l'argent. Effectivement, j'étais. Oui, la femme même le fait accompli, au guichet, tu n'avais plus le choix de. Donc j'ai pris cet argent et j'ai créé activité culturelle et artisanale abidjanaise à ces 2 ans. C'était pour ma femme, mm-hmm. puisqu'elle a découvert qu'elle faisait. Elle s'est perfectionnée entre temps dans la peinture sur soie, elle s'est perfectionnée dans les dessins et tout, mm-hmm. elle faisait des trucs magnifiques. Et aujourd'hui, c'est elle qui fait ce genre de. Ah, d'accord. Voilà, elle fait ça. Okay. C'est des boîtes, elle fait des trucs, mm-hmm. Du cartonnage. On a continué à travailler et puis j'ai eu la chance d'avoir l'hôtel dont je parlais. J'ai rencontré le propriétaire et puis j'ai pris l'hôtel. Donc, ça, en fait, c'est à la suite de où on vient chercher toutes tes affaires. On a pris toutes mes affaires. Tu laisses la maison, tu pars avec ta femme, tes enfants. J'ai pu acheter les lits après pour ma femme. Ça a été. On a eu des expériences magnifiques sur le plan spirituel. Dans cette maison extraordinaire. Suite à tous ces problèmes que j'ai eu à l'hôtel, je me suis retrouvé complètement démuni et je n'arrivais plus même à inscrire mes enfants. À faire face. Je ne pouvais plus. C'est à ce moment-là que tu décides donc de partir en France. Exactement, exactement. Donc, comme on a la nationalité française, je me suis dit je ne veux pas sacrifier mes enfants parce que je sais ce que c'est de ne pas faire des études. Mm-hmm. Quoique je ne regrette pas trop pour ce que j'ai appris. Mais bon, je veux leur donner la corde pour qu'ils puissent monter. Et la corde, c'est des études. Mm-hmm. Donc, on est parti en France. C'était le jour de l'anniversaire des 15 ans de ma fille aînée. J'ai essayé de lui arranger un petit gâteau. On lui a fait une fête. Et puis, elle a eu une chance, une nuit, c'est que bon, on nous a mis en classe affaires, en première classe, dans Air Afrique. Alors tu arrives en France, comment ça se passe? Tu trouves un appartement assez vite, tu t'installes avec ta famille? Ça a été très dur parce que bon, je venais d'Afrique, je suis mat. Avec sans aucune garantie en plus? J'ai pas de garantie, personne ne voulait se porter garant. Pas de fiche de salaire? Rien du tout. Ça n'a pas dû être évident. Et j'ai cherché beaucoup de maisons, on m'a fermé la porte plusieurs fois. Mon nom est Khalil Hesné, donc c'est pas Dupont. Ouais. Et voilà, donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le propriétaire est venu avec l'agent immobilier. On monte dans l'ascenseur. Il dit, écoutez, monsieur Khalil, votre cravate est très belle. Je vous donnerai la maison pour ça. Eh bien. Il m'a réduit à la cravate que je portais. J'ai souri. Merci, monsieur. Il m'a donné la maison. J'ai fait installer. J'ai payé 6 000 francs français la peinture. C'était dur. Et là, tu décides de faire quoi pour pouvoir. Ah non, il y avait pas le choix. Hein. Il n'y a pas à faire quoi. Il n'y avait pas le choix. Je suis descendu. Ma femme ne savait pas. Et je mendiais. J'ai tendu la main. On m'a donné des centimes de francs français. Ça a dû être très dur, ça. C'était horrible. Pour toi. C'était terrible. Tu arrivais juste à survivre, en fait. On a même eu un chèque de Charles Pasqua de 2 000 francs français
en aide. Il était président de région, je ne sais pas comment ils appellent. Mmh. Et la mairie nous a aidé beaucoup, l'assistante sociale nous a aidé beaucoup. Mmh. Alors Esné, je te propose de revenir sur ton parcours, oui, juste après une courte page de publicité et le portrait de la semaine. Sportif, bonjour. Sport News de vendredi 6 mars 2014. On parlera de la Ligue 1 française avec Mas Gradel, Cheikh Doucouré, Sio Giovanni, Gadjitalo. Bonsoir, je suis Serge Dakoury, journaliste sportif sur Ivoire FM, consultant sportif télé. Cela fait 10 ans pratiquement que je mène cette activité parallèlement entre la radio et la télévision ivoirienne. Mes premiers pas dans ce milieu du travail ont été possibles grâce à un ami, Yves Zobo Junior, qui m'a fait l'amitié en 1997 d'intégrer une radio où il était directeur des programmes. Et c'est ainsi que, avec Nasser El Fadel, nous avons en complicité commenté des matchs depuis le stade Félix Football. Cette passion pour le football vient de certains reporters sportifs de l'époque qui m'ont bercé depuis l'enfance. Notamment Boubacar Kanté qui était sur Radio Côte d'Ivoire, sans oublier la plupart des commentateurs européens qui pour moi sont des références, tels Jean-Michel Larquet, Thierry Roland et aussi consultants comme le célèbre entraîneur français Giroud. C'est vraiment de manière insolite que j'arrive à la télévision. Je buvais un café avec paix à son âme, monsieur le maire, Ibrahima Traoré, et Fernand qui arrive et dit: ah, monsieur le maire, j'ai un consultant pour le match Real Madrid-Verdun de Brême, mais malheureusement, il me fait faux bond, il me faut quelqu'un tout de suite pour le remplacer au pif. Et monsieur le maire perd son âme qui dit: mais Dakoury peut le faire, peut-être même mieux que celui que tu as programmé. Et Fernand me pose la question de savoir est-ce que j'ai déjà fait une émission. Je dis non, mais il me demande est-ce que je suis documenté sur ce sujet Real Madrid-Verdun. Je dis oui, il n'y a aucun problème. Il dit bon, il est 16h30, à 17h45, il faut être sur le plateau de la RT. C'est là que s'est passé mon baptême de feu, un mercredi 26 mars 2008, Real Madrid, Werder de Brême, pour mon premier match comme consultant de la Ligue des Champions. Les retours ont été plus ou moins positifs pour la simple et bonne raison que le responsable des sports de l'époque, Alain Doumbia, qui suivait l'émission, à la mi-temps est descendu et a demandé à Fernand: où as-tu enlevé ce jeune homme? Il m'a dit non, dans un espace supermarché aux deux plateaux. Bon, il m'a sorti un qualificatif qui était très beau en disant que c'est vraiment de la grande classe et c'est vraiment un consultant de qualité. J'espère qu'on l'aura très souvent. Je pense que quand vous exercez une passion qui devient un métier, vous êtes encore plus à l'aise. Ajoutez à cela le relationnel qu'on en tire. Oui, aujourd'hui, grâce à la télévision et grâce aux médias, j'accède très facilement dans des bureaux, j'accède très facilement vers le cercle fermé de certains hommes d'affaires et j'ai aussi beaucoup de sollicitations de part et d'autre. Sans oublier que ce métier de journaliste sportif m'a amené à un moment donné à être dirigeant d'un club de la Côte d'Ivoire qui est l'Africa Sport, de 2009 à 2011. Je ne suis pas journaliste de métier, je suis un autodidacte dans ce domaine. Mais ma passion m'amène à me documenter énormément. Je pense que quand on m'invite, par exemple, pour un match de football, on me prévient peut-être 48 heures avant, je fais des recherches importantes. Déjà, la recherche est quotidienne. En radio, je dirais, j'ai commenté deux matchs mémorables qui resteront pour moi très importants. La finale remportée par l'ASEC au stade Faubagny, ASEC Dynamo Power, la première finale remportée par l'ASEC, avec Oscar Fouillonné comme entraîneur, sans oublier de parler aussi de cette super coupe d'Afrique février de 99 où ces diablotins ont été découverts à la face du monde, je parle des académiciens. Donc pour les jeunes qui veulent embrasser cette carrière, il faut d'abord être passionné de ce métier, il faut lire beaucoup, ne pas hésiter à voir d'autres chaînes étrangères où des journalistes interviennent et montrent un peu le côté novateur de ce métier, car ce métier évolue rapidement et il y a plusieurs facettes. On y va. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je rappelle que nous recevons aujourd'hui M. Esné Khalil, un homme qui a connu toutes les difficultés, mais qui a pu les surmonter grâce à son courage et sa persévérance.
Alors Esné, mais à ce moment-là où tu es dans la rue et tu tends la main, tu te remets en question, tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, il y avait une urgence. Oui. C'était nourrir ma famille. Donc tu pensais à rien d'autre en fait, non, c'était ça l'objectif. Il n'y avait rien d'autre. Et où j'ai été très mal, c'est quand mon fils m'a dit « Papa, je souhaite avoir je veux un McDo, un hamburger. Mm-hmm. » Je ne pouvais pas lui acheter un hamburger. À 1,5 km, où je m'en ai d'ailleurs, il y avait un McDonald's. Là, je me suis calé juste à la porte. Et puis, un monsieur qui sortait, il avait son hamburger à la main, il a pris une bouchée. J'ai dit « S'il vous plaît, vous pouvez me donner ça pour mon fils ?» Il m'a regardé de la tête aux pieds, il est remonté. Il a replié, il m'a donné le sandwich. J'ai dit merci. Je suis parti chez mon fils. J'ai dit écoute, j'ai mangé un petit coup, tiens. Il était aux anges. Pour moi, j'ai oublié la douleur le temps de ma main. Oui, tout à fait. C'était le bonheur de voir ce sourire sur le visage de ton enfant qui était important. Tout à fait. Mais je veux qu'on tire devant de tout ce que j'ai dit et ce que je vais dire tout de suite des leçons. Un jour, c'était au mois de février, en hiver, il faisait très très froid. J'ai essayé de mendier, j'ai rien eu. Rien, pas un centime. Je monte, je demande à ma femme et les enfants, elle dit, on n'a rien du tout. Même pas un bout de pain. Je dis, écoute, je reviens. Elle dit, mais où tu vas? Il est déjà tard. Il était 19h par là, je crois, 19h. Je descends, je tends la main, les gens sont en train de partir. Il y a deux, trois qui ont poussé ma main. Eh ben, faut passer. Ouais. Ah, Satan est fort dans ces moments de faiblesse. Satan est très fort. Mais Dieu est plus puissant. Exactement. Vraiment. J'ai, je sais pas, c'est rentré dans ma tête. Hesne va au bois de Boulogne. Je pense que beaucoup de téléspectateurs, beaucoup de gens savent ce qu'il y a au bois de Boulogne. Et ceux qui ne savent pas, c'est un peu la forêt où il y a des travestis. Je suis arrivé au bois de Boulogne et j'ai un travesti qui me... Je rencontre un travesti, c'est un mec habillé en femme. Oui, oui. Il me dit, oui, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, non, attendez, je vais me faire prendre. Dieu, tu as dû avoir un sacré courage de... Il me dit pardon. Je dis oui, je ne sais pas comment ça se passe. Si vous pouvez m'aider, on partage. Je ne sais pas, il a eu un regard très bizarre. Comment j'ai su? C'est pas la question qu'il m'a posée. Il dit vous le faites par envie ou par besoin? Par besoin ou par plaisir. J'ai dit non, j'ai une femme et trois enfants qui ont faim. À nourrir. Je dois les nourrir ce soir. Il m'attrape, là, il me bouscule et il me jette par terre. Par terre. Je tombe sur les herbes. Il me dit, casse-toi d'ici. Si je te revois ici, je te bute. Je préfère que tu ailles braquer une banque, mais tu ne fais pas ce que je fais. Tu ne vas jamais t'en sortir. Je suis parti de là. En fait, je me suis réveillé. J'ai pris conscience que mon Dieu, qu'est-ce que j'allais faire moi? J'ai rien contre ces gens, mais c'est pas moi. Bien sûr, exactement. Non, mais là, en fait, tu étais perdu. Absolument. Voilà. Et là, j'ai pris conscience que Dieu a agi en ce monsieur. Enfin, ce monsieur, cette dame, enfin bref, ce travesti, pour me ramener à l'ordre. Et je suis reparti, j'étais enragé. Et je me souviens, quand je rentrais chez moi, il devait être 23h30 par là. Je suis arrivé à la maison, ma femme qui crie « Qu'est-ce que tu as ?» Elle a vu que j'étais complètement défiguré. J'ai dit « Les enfants ». Elle me dit « Ils ont bu de l'eau, ils ont dormi. » Ça t'a apaisé. J'ai attrapé ma femme et on a commencé à pleurer. À pleurer, oui, oui. On est resté, on a commencé à se consoler l'un et l'autre et puis on a dormi. Avec l'aide de Dieu, ça a été après. Mais par contre, il y a eu une période où ma sœur était à l'hôpital, elle était hospitalisée. Et ça, c'était terrible aussi. Ce sont des trucs, quand Dieu t'aime, il te fait vivre ce genre de situation. Elle était à l'hôpital Ambroise-Paré. Elle a été enlevée une varice qui la dérangeait dans sa peau. Donc j'ai été lui rendre visite. En partant, elle me dit, s'il te plaît, Hesne, puisque leur maison est avant la mienne, tu peux donner le porte-monnaie à ma fille? Je dis oui.
En sortant de l'hôpital, j'ai ouvert le porte-monnaie, il y avait des jetons qu'il y a longtemps je n'ai pas vus. Oui, oui. J'ai pris, j'ai mis dans ma poche. J'ai volé. Mm-hmm. Oui, bien sûr. Mais tu n'avais pas d'autre solution? J'ai fermé et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Hesse n'était pas descendu si bas. Tu m'en dis, il ne faut pas voler. Mm-hmm. J'ai repris cet argent, j'ai remis dans le porte-monnaie, j'ai refermé et puis je suis monté chez ma nièce. Elle me dit, tonton, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, non, je suis un peu enrhumé, j'ai des allergies. Je lui ai donné, tu rentres? Non, je m'en vais et puis je suis parti. Pendant toute cette période que je raconte, j'avais le terrain de ce centre en vue. J'étais en train d'avoir ce terrain. Je l'ai acheté le terrain à 47 millions de francs. Et c'est un ami que son père en 69 m'a acheté ma première voiture. Parce que mon père ne voulait pas m'acheter de voiture, elle coûtait 200 000 francs, une 404 berline. Donc quand son père m'a vu, père à leur âme, quand son père m'a vu, il m'a dit, qu'est-ce que tu as, t'es pas bien? J'ai dit, non, je veux acheter la voiture, papa ne veut pas me l'acheter. Il m'a dit, c'est combien? Je lui ai dit 200 000, il m'a fait rentrer dans son magasin, il m'a donné les 200 000, il m'a offert la voiture, ma première voiture. Ce monsieur vit aux États-Unis maintenant, on est toujours en contact. Le fils, hein, qui était mon ami, enfin qui est mon ami, qui est mon frère. Alors bien heureusement, après tu as une opportunité d'achat de terrain, tu arrives à avoir, tu arrives à avoir de l'aide d'une personne, d'un de tes proches, et même à rencontrer le président Jacques Chirac qui va plaider en ta faveur. Tout à fait. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis que c'est le bout du tunnel? Oui, effectivement, je suis... j'avais des soucis avec l'administration, on ne voulait pas me donner le terrain, et puis c'était va et vient, et demain, après demain. J'ai mis 9 ans. Donc on te mettait des bâtons absolument, dans absolument, les absolument. Et puis, bon, j'arrive à écouter les messages. J'ai eu cette chance. Et je souhaite que tout le monde soit attentif aux messages qu'on reçoit dans l'oreille, la petite voix. Il faut arrêter de se taper sur la poitrine en disant « moi je ». Parce qu'on n'est que par la volonté de Dieu. Exact. Je pars en France. J'essaie tant bien que mal à trouver des possibilités d'aller voir. De pouvoir le rencontrer, oui, parce que c'est... Et je rencontre une personnalité politique qui était du RPR à l'époque. Et je lui explique mon problème. Il me dit « ok ». Il m'appelle un jour, il me dit, il faut aller voir le président Chirac, qui me reçoit à l'Élysée. Comme d'habitude, il est jovial, il vit, c'est un bon vivant, il est extraordinaire. Oui, quelqu'un qui aime rigoler, qui aime chahuter. Et je lui ai expliqué mon problème. Donc, il m'a envoyé chez Michel Roussin, qui était le ministre de la Coopération, je crois, qui lui m'a envoyé chez son directeur technique. Après quelques jours, on me rappelle, on me dit, le dossier, il est... clean. Je dis oui, moi je suis convaincu, mais entre moi et ceux, les décideurs, j'ai un souci. Ils m'ont dit, bon allez, on va faire le compte-rendu. Il va faire le compte-rendu à son ministre, qui lui va faire le compte-rendu au président Chirac. Et j'ai été voir. Et puis un jour, j'étais à Tours, je reçois un coup de fil, c'est l'Élysée. Monsieur Khalil, vous avez rendez-vous à telle heure avec le président Chirac. Je prends le TGV et puis je m'en vais. J'arrive, il me reçoit, il me dit, mais tout va bien, et bien. Et puis il appelle le président. Cher frère, cher, et puis bon, tout se passe bien. Il me dit, allez-y, vous allez avoir votre terrain, ne vous inquiétez pas. J'ai été reçu, il y avait des personnalités politiques autour du président qui m'a allumé. Je le comprends, parce qu'il ne voulait pas que j'emmène... je prenne les bagages de la famille pour aller les régler dehors. Et comment je fais ça? Comment je fais ça? J'ai dit, monsieur le président, j'étais devant lui quand il vous a appelé. Il n'a jamais dit, monsieur le président, il a dit, cher frère. Donc ça reste en famille. Oui. Bon, ça calmait le président, et puis voilà. Il a donné des instructions qu'on étudie rapidement le dossier et qu'on me vienne en aide. Qu'on tranche. Alors, Esné, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette émission. Que Dieu nous garde.